Tout d'abord, toute notre équipe adresse ses pensées aux familles des victimes du terrible attentat survenu le soir du 13 novembre 2015 à Paris. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur l'émission du Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Alors, ce mois-ci, nous sommes allés à Vincennes à la rencontre de puristes que nous avons interviewés. Dans la seconde partie de l'émission, vous saurez tout sur Porsche et l'affaire Volkswagen. Tout de suite, le sommaire. Au programme Porschiste du mois, nous interviewons Daniel et Frédéric, deux passionnés de la marque qui nous parlent de leur Porsche de collection. Ensuite, ce sera l'actu Porsche du mois. On enchaînera avec l'insolite, très amusant en cette fin d'année. Pour finir l'émission, nous vous avons préparé un dossier spécial sur Porsche et l'affaire Volkswagen. Vous serez tous sur le processus permettant de fausser les données des véhicules haut de gamme du groupe. Attachez votre ceinture, cramponnez-vous bien, c'est parti. Allez, comme promis, direction l'esplanade du château de Vincennes. On va tout de suite aller à la rencontre de Daniel, un puriste de la marque qui possède une très belle Porsche 914. Tous les premiers dimanches du mois sur l'esplanade du château de Vincennes, des passionnés comme Daniel se réunissent pour exposer leurs véhicules de collection. Bonjour Daniel. Alors, votre Porsche, elle est superbe, c'est une 914. Oui, de 73. Pourquoi est-ce que vous l'avez achetée? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'avoir? La forme de la voiture, puis l'époque, c'était une voiture à l'époque où j'étais mécanicien chez Volkswagen, à l'époque, et que je ne pouvais pas me la payer. Bon, c'est tombé que... J'ai un combi aussi avec le même moteur et c'est ça qui m'a plu parce que je peux travailler sur les deux voitures en même temps. Cette voiture-là, elle me plaît parce que c'est une voiture légère qui tient bien la route, qui a de la puissance. Ouais, 940 kg. Ouais. Oui, donc c'est très léger. Très léger pour l'époque. Moteur central, qui était pour l'époque, qui n'était pas très connu. Est-ce que c'est exactement le modèle que vous recherchiez? Oui. La oui. couleur? Pas la couleur, je m'en fous, c'était pas exactement, d'accord. Pourvu que ça soit une Porsche 914, la voilà. couleur, ça pouvait être du blanc, ça pouvait être du gris, ça pouvait être, parce que c'est des couleurs, il y avait du jaune, j'ai un ami qui en a une jaune, qui est très belle aussi, hein. Il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du noir, d'accord. Ça aurait été la couleur, c'était important, mais de cette couleur-là, je l'adore. Bah, merci Daniel pour toutes ces informations sur votre super voiture, voilà. Et puis tout de suite, c'est les news du mois. En mars 2015, au Salon de Genève, Porsche présentait la version la plus radicale de son petit Cayman, le GT4. Fin novembre 2015, au Salon de Los Angeles, la marque allemande dévoile une version de son Cayman GT4 uniquement homologuée pour la piste. Nom de code GT4 Club Sport. Reprenant le même moteur flat 6 3 litres 8 de 385 chevaux que le GT4, ce bolide possède en plus une boîte PDK à double embrayage que ne dispose pas le GT4 ni même en option. Moteur en position centrale, seulement 1300 kg, cette monoplace s'avère très agile et terriblement efficace. Ce GT4 Club Sport est proposé à 111 000 € en Allemagne. Le prix français sera annoncé ultérieurement. Avis aux amateurs de course. Porsche est champion de la FIA WEC 2015. Et oui, ayant remporté une double victoire à Shanghai et une victoire à Bahreïn pour conserver son avance au classement, Porsche devient champion constructeur de l'année en WEC. En effet, avec 344 points, la firme de Stuttgart s'impose au championnat du monde d'endurance devant Audi avec 264 points et Toyota avec 164 points. Il faut savoir que Porsche s'est toujours emparé de la pole position depuis le début du championnat, soit depuis les 6 heures de Silverstone en Angleterre. Au classement des pilotes, ce sont Mark Webber,
Timo Bernhard et Brendan Hartley qui s'emparent du titre grâce à leur Porsche numéro 17. Pour information, nous avons appris que la marque allemande ne courra très probablement pas en catégorie GTE Pro l'année prochaine pour se concentrer en LMP1 avec ses deux 919 hybrides. Allez, maintenant, on va aller voir Frédéric qui possède une superbe Porsche 356. Donc bonjour Frédéric. Bonjour. Donc vous possédez cette superbe Porsche 356. Parlez-nous un peu du modèle, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une 356 Roadster. En fait, à l'origine, Porsche fabriquait des cabriolets. Et l'importateur américain a demandé à ce qu'il fasse un modèle moins cher et plus léger pour rivaliser avec les Austin Healey et les Jaguar XK. Et donc Porsche a développé le Speedster. Et donc en 59, Porsche a abandonné le Speedster et a créé le convertible D. Donc un modèle un peu plus luxueux avec un pare-brise un peu plus grand, mais toujours le même principe, le pare-brise pouvait se démonter. Et surtout des vraies vitres dans les portes. Et la caisse de 356 en 1960 a évolué, elle est devenue série B, donc T5 avec le petit capot. Et donc le convertible D s'est transformé en Roadster. D'accord. Donc le Roadster a été fabriqué en 1960, en 1961. À environ 2500 exemplaires. Quand est-ce que vous avez acheté ce modèle, où et pourquoi ? Alors moi je cherchais une 356, que j'avais une 911 à l'époque, j'avais une 993 Targa et j'ai toujours aimé beaucoup les vieilles voitures. Je trouvais que le Roadster, la ligne était beaucoup plus jolie que le cabriolet. Le cabriolet, le pare-brise c'est un entourage, c'est la carrosserie donc on ne peut pas le démonter. Alors que le Roadster c'est comme le Speedster, l'entourage est démontable en chromé, je trouvais ça beaucoup plus joli. D'accord, ok. Donc j'ai eu quatre propositions et j'ai reçu des photos de celle-là. Qui était en Arizona et je l'ai donc acheté en mars 2008 et elle est revenue et elle a débarqué en Normandie le 6 juin 2008 donc oui. Un petit clin d'œil sympa. Okay. Oh, j'allais oublier Frédéric, est-ce possible de démarrer le moteur de votre 356 ? Bien sûr. Joli bruit, eh bien merci Frédéric, à très bientôt. Donc, on entame maintenant la dernière partie de l'émission, à l'issue de laquelle vous saurez tout sur Porsche et l'affaire Volkswagen. Mais avant cela, on enchaîne avec l'actu insolite Porsche du mois. Et on débute l'insolite Porsche du mois avec une vidéo préventive des dangers de la route. On remarque très vite la présence d'une voiture de course. Cette vidéo est d'autant plus étonnante quand on sait qu'elle a été réalisée par Porsche. Au volant, Mark Webber, champion du monde de la FIA WEC 2015, qui reçoit des messages sur son téléphone portable. Malgré son expérience et son talent, celui-ci commet des erreurs de pilotage, comme quoi même un as du volant peut devenir un danger. Bref, vous l'avez compris, n'utilisez pas votre téléphone au volant, même derrière celui d'une Porsche. Bon, tu vas passer, il y a un petit changement de planning. C'est pas la même voiture que d'habitude. Hein. Ouais. On enchaîne avec cette vidéo très surprenante et amusante. Tu restes calme. Quelques candidats du permis de conduire vont se mettre au volant d'une Porsche 911 Carrera 4 sans le savoir. Leur réaction n'est pas si heureuse qu'on pourrait le croire. J'ai appris à conduire sur une 207, moi. Non. J'ai le droit de passer le permis dans une voiture comme ça ? Bien. Nous allons passer aux vérifications d'usage. Et on n'a pas affaire à des amateurs de Porsche. C'est quoi ce moteur ? Ah, là c'est le coffre. Allez-y, vous pouvez démarrer. Elle est pas là la clé ? Ah non, dans une Porsche c'est toujours à gauche. Ah, c'est pas pour les gauchers ? Non. Mettez-vous en mode parking. Très bien, faites-moi un démarrage en côte s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là? Non, je me suis trompé, je
Mais ceci dit, niveau conduite, on a affaire à une transmission intégrale. C'est rassurant pour passer le permis. Allez mademoiselle, là, il faudrait peut-être un petit peu plus de rythme quand même. D'accord. Quoique, 350 chevaux, ça fait beaucoup sous la pédale de droite. En 2014, la marque Porsche bat un record en vendant 189 850 véhicules dans le monde, soit une augmentation d'environ 17% par rapport à l'année précédente. Au cours de l'année 2014, Porsche livre 47 000 véhicules aux États-Unis. Il s'agit du principal marché pour Porsche. Comme vous le savez, les autorités américaines ont découvert la présence d'un logiciel de trucage qui est donc présent dans les moteurs 4 cylindres TDI du groupe Volkswagen destiné à fausser les données d'émissions d'oxyde d'azote et de dioxyde de carbone. Ce qui n'était qu'une hypothèse à propos du V6 diesel développé par Audi et présent sous le capot du Cayenne diesel, entre autres, s'avère être une réalité. La marque allemande est donc impliquée dans l'affaire VAG. Le moteur concerné est donc le V6 3 litres TDI, produit à partir de 2014, qui est donc présent sous le capot du Porsche Cayenne diesel. Le V8 4 litres du Cayenne S diesel ne serait à aujourd'hui pas impacté. Pour fausser les données d'émissions des gaz sur les véhicules haut de gamme du groupe, équipés du V6 diesel comme le Cayenne, on ajoute une urée supplémentaire. C'est en fait un réservoir de réduction catalytique sélective, aussi appelé RCS. Celui-ci a pour but de transformer les oxydes d'azote en azote N2 et en eau. Vous pouvez apercevoir ce système, il s'agit bien sûr d'une voiture conforme aux normes. Par ailleurs, il faut savoir qu'aux États-Unis, la réglementation sur les émissions de ces gaz est beaucoup plus stricte qu'en Europe. Alors sachez que Porsche, cette année, a vendu plus de véhicules qu'en 2014 et bat donc un nouveau record. Avec plus de 190 000 voitures livrées en 10 mois dans le monde, Porsche réalise un nouveau succès. Ses ventes sont bien aidées par le best-seller de l'année, le Macan, représentant 36% des ventes sur plus de 10 mois. Subissant l'un des plus importants scandales de la planète, l'entreprise Porsche dirigée par Oliver Blum connaîtra-t-elle un tel succès en 2016 ? Autre question que nous soulevons, le nouveau patron de Volkswagen, Matthias Müller, restera-t-il longtemps à la tête de VAG ? En effet, pur produit du groupe et ancien dirigeant de Porsche, qui se disait comme irréprochable, avait-il connaissance de la tromperie ? Je vous remercie d'avoir visionné cette émission. N'hésitez pas à regarder notre dernière vidéo à propos de la nouvelle Porsche 911. De plus, abonnez-vous à la newsletter www.leporschistepro.jimdo.com. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, soit l'année prochaine, pour une nouvelle émission. Je me joins à toute l'équipe du Porschiste Pro pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. On se quitte sur les plus belles photos de l'année. À très bientôt.